Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre. Ce livre ici présent est une nouvelle nommée Matin Brun, écrit par Frank Pavlov. Il est édité par Chêne en 1998. Cette courte histoire parle de Charlie et son ami, deux jeunes qui discutaient de la société actuelle. Eux deux n'avaient pas l'air d'approuver les choix et les actes de l'État, mais ils ne faisaient rien pour y changer quelque chose. Ils regardaient la société changer sans aucune réaction et ou manifestation. Cette société nous prouvait bien que tous les chats et les chiens bruns étaient épargnés par rapport aux autres, qui, eux, étaient abattus. Car, d'après les scientifiques, tous les tests prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées moins nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Des péripéties attendent Charlie et son ami. Mais quoi donc ? Je pense que vous devriez bien évidemment lire ce livre, car il est intéressant de comparer cette histoire à des moments historiques, comme certains génocides qui ont eu lieu. Par exemple, celui des Juifs. Mais dans ce livre, c'est un génocide des animaux autres que bruns. C'est comme au début de la nouvelle. On comprend que le chat de couleur noir et blanc de Charlie fut abattu à cause de son pelage qui n'était pas brun. En effet, ce livre est intéressant, car il peut nous montrer jusqu'où peut aller un génocide. Également, il peut essayer de nous montrer que, malgré nos différences, on ne devrait pas négliger les autres. C'est aussi un livre qui se lit très rapidement avec une histoire bien racontée et qui est facile à comprendre. Ce livre est donc plutôt adapté à tout public, mais avec une limite d'âge d'au moins 12 ans pour être en capacité de comprendre tous les sous-entendus et ne pas prendre la nouvelle trop au premier degré, et ainsi ne pas discriminer les personnes qui ne sont pas brunes. Avec les lois brunes du livre, on peut aussi remarquer que l'auteur Frank Pavlov dénonce le racisme et l'intolérance envers tous ceux qui ne sont pas de la même couleur. Bien évidemment, cette histoire est un apologue, car c'est une histoire courte avec une morale. Matin Brun encourage le lecteur à se poser des questions et à ne pas baisser les bras quand on le prive de ses libertés. Tu comprends, je ne pouvais pas le faire passer pour un brun. Ben, un labrador, c'est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie ? C'est pas la question, c'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant. Oui, pareil. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable. Et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns que les bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat, c'est un chat. Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. La plupart des chefs religieux approuvaient cette mesure. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux. Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite.